tirage amour pour un homme né sous le signe de la Vierge pour le mois de mars 2019. On se rappelle qu'il est possible que ce tirage vous inspire, comme peut-être pas. Je vous invite à accueillir ce qui vous fait sens et à me laisser le reste. Je vous présente maintenant la première carte qui me parle de vous comme étant un homme présent, calme, accompli, réalisé, qui a un fond positif. Vous êtes une personne qui croyait en ses rêves, en la réalisation et l'accomplissement de vos rêves. Vous semblez être sur cette voie-là. L'énergie du cœur ici, le cœur, l'amour, semble être important pour vous. Je me sens très, très bien au contact de cette carte-là. Vous semblez être en contact avec votre élan créateur. Vous me semblez être une personne inspirée. Vous dégagez une belle confiance en vous, en vos capacités. C'est ce que je vois en cette première carte. C'est une carte très lumineuse, très positive, qui nous parle de contentement, de satisfaction intérieure. Maintenant, concernant la personne qui vous accompagne, on me la présente comme une personne très insécure. Une personne très insécure à l'intérieur d'elle-même et qui peut aussi avoir des comportements empreints de négativité. Vous, ici, ce que je vois dans la carte du haut, on me dit que vous vivez une certaine ennui et mécontentement en cette relation. On tourne en rond. On n'arrive pas à trouver de solution pour améliorer là, notre relation. On voudrait un changement. On s'ennuie. On se sent seul dans la relation. Et il y a certaines frustrations aussi que je vois. Ça peut être aussi sur le plan de l'énergie sexuelle. Ça peut être aussi, on a peur, une certaine insécurité qui est là financière aussi. J'ai perçu en ce tirage les énergies de possessivité, de jalousie, de contrôle, de frustration. J'ai perçu comme une sorte d'emprise. Je vous percevais un peu prisonnier là, en cette relation. Il y a quelque chose là, qui fait qu'on ne se sent pas bien. La carte ici nous parle. Nous invite à aller vers une transformation. Quelque chose doit être modifié en cette relation-là pour aller vers un mieux-être, pour vous retrouver ici. Parce que quand je prends cette carte-là, celle qui vous représente, vous me semblez être très, très bien, mais la problématique se trouve au niveau là, de la relation. Il y a un mécontentement au niveau de la relation et ça semble être gardé à l'intérieur. On dirait qu'on a peur là, d'y faire face, mais il est possible ici qu'on ait trouvé des moyens pour survivre là, dans cette relation. Ça peut être toutes sortes de fuites parce qu'on n'a pas trouvé comment aborder la problématique à sa source. Donc, en ce tirage, je vois une invitation à aller vers une transformation, à prendre le temps d'écouter ce que vous vivez, cet ennui-là, ce mécontentement-là, cette insatisfaction-là, a quelque chose à révéler. N'hésitez pas à aller chercher de l'accompagnement pour vous aider à clarifier ce que vous vivez en cette relation-là. Alors voilà, je vous souhaite une belle journée.